avoir encore la possibilité d'avoir la tête dans les étoiles. C'est un vrai sujet pour les générations à venir en raison de la pollution lumineuse. Difficile aujourd'hui dans de nombreuses villes de capter les étoiles à l'œil nu. Pour y remédier, certains GIS changent de direction de leur éclairage public, réalisent des économies d'énergie et ouvrent de nouveaux horizons. Direction le parc national des Cévennes. Sophie Brune avec Mathieu Régnier. La nuit tombe sur le parc national des Cévennes. Dans la pénombre, ces passionnés d'astronomie se préparent. Ce soir, ils vont observer les étoiles dans des conditions exceptionnelles. Pour le moment, c'est parfait. On a la Lune qui est en train de se coucher, déjà qui a un très faible croissant. On va vraiment être dans le noir complètement. On approche d'un ciel d'une qualité qu'on peut retrouver dans des déserts. Ça devrait être pas mal, oui. Ici, même à l'œil nu, la voûte céleste regorge de trésors. On a la grande ours qui est bien visible ici. La grande casserole, si on peut dire aussi. On a les Pléiades, là, on les voit toutes, là. On appelle ça les sept sœurs aussi. Donc ça, c'est la nébuleuse d'Orion qu'on voit bien à l'œil nu. Grâce à l'astrophotographie, la nébuleuse d'Orion révèle toute sa beauté. Donc à l'intérieur, c'est une pépinière d'étoiles, en fait. Il y a des étoiles qui sont en train de naître, là. Ouais, c'est très joli. On peut aussi photographier la nébuleuse de la Rosette au pied du mont Lozère ou celle du Cœur. Les nébuleuses, c'est des gaz qui sont illuminés par les étoiles qui sont aux alentours. Et c'est des objets célestes qui sont très fins et très détaillés. Ici, sans se compliquer trop l'observation, en fait, on arrive à les voir facilement. Aujourd'hui, 80% de la population mondiale ne peut plus admirer la Voie lactée à cause de la pollution lumineuse. Les Cévennes, un terrain d'observation préservé, mais de plus en plus rare. C'est un bien commun, le ciel. C'est un bien commun de l'humanité. Et le saloper par des lumières ou par des satellites en pagaille, c'est une espèce de crime, une espèce d'écocide, comme on dit aujourd'hui. Le parc national des Cévennes est aujourd'hui la première réserve internationale de ciel étoilé d'Europe. Un label prestigieux, obtenu grâce à sa faible population, mais aussi grâce aux efforts des communes pour limiter la pollution lumineuse. Mialé, 650 habitants et 119 lampadaires. Cette petite commune du Gard est en train de renouveler tout son éclairage public. Les LED vont remplacer les anciennes ampoules, peu efficaces. Ça éclairait vraiment un peu de partout, tant bien les arbres, le ciel, les maisons. On ne pouvait pas diriger le flux, donc c'était vraiment, ça éclairait un peu de partout. Dans cette vidéo réalisée par le service de l'énergie du Gard, on voit l'impact en termes de pollution lumineuse. À gauche, de grands halos. À droite, une lumière orientée vers le sol. De plus, la consommation d'électricité de la commune va diminuer de 80%. L'intérêt dans tout ça, c'est l'économie d'énergie que l'on va avoir, ce qui est très important. Donc, ce qui fait que l'investissement, au bout de 3 ans, sera totalement remboursé. La sobriété énergétique, certaines communes l'appliquent de façon radicale. Ventalon en Cévennes, 270 habitants dispersés dans des hameaux. Passé 18 heures, il fait nuit. Nuit noire. Pour se déplacer, le maire sort son téléphone. Le village teste l'extinction totale des lumières. Les gens viennent vivre ici aussi pour connaître un ciel naturel, une ambiance naturelle et n'ont pas forcément envie de vivre dans un éclairage artificiel, quoi, qui finalement, au niveau sécurité, pour notre territoire, n'apporte pas une plus-value importante comme en milieu citadin, quoi. Réduire l'éclairage, c'est aussi protéger la faune et la flore, la biodiversité. C'est justement la mission de ces agents du parc. Ils viennent recenser des animaux particulièrement sensibles à la pollution lumineuse, les chauves-souris, qui hivernent dans ce tunnel. Oui, la petite tache noire entre les pierres, là. Elles arrivent à s'enfoncer très, très profondément dans les fissures. Pour les repérer, mieux vaut avoir l'œil exercé. Pas trop de lumière ni de bruit, il ne faut pas les réveiller.
C'est une barbastelle d'Europe. C'est une chauve-souris qui a les oreilles qui se rejoignent au milieu du front. C'est assez caractéristique de l'espèce. Et elle se reconnaît facilement parce qu'elle a le pelage très noir. Donc barbastelle, on est à 3. Donc je note tout parce qu'après on le recense sur un logiciel. Et comme ça, on a les tendances d'évolution. On peut voir vite d'une année à l'autre s'il y en a plus ou moins. Depuis plusieurs années, la population de chauves-souris est stable. La baisse de la pollution lumineuse devrait améliorer leur habitat et celui d'autres espèces. La nuit noire des Cévennes, promesse d'un ciel riche en étoiles, mais aussi d'un environnement préservé.